Une triste nouvelle pour la famille Bambara. Dans l'épisode de Famille Nombreuse, La Vie en XXL diffusé sur TF1 ce mercredi 1er décembre, Rofrane Bambara a appris une terrible nouvelle. Après plusieurs semaines de tests, l'un de ses enfants, Kheireddine, a été diagnostiqué comme étant autiste. Étant donné le succès de l'émission, de nombreuses critiques émergent sur les réseaux sociaux envers les différentes familles. La production avait donc décidé de réagir pour tenter d'endiguer ce phénomène. Chers téléspectateurs, depuis plusieurs semaines, les familles sont régulièrement attaquées sur les réseaux sociaux. Nous tenions à rappeler que si Famille Nombreuse, La Vie en XXL est une émission que nous aimions tous commenter, il est important de le faire avec bienveillance et le respect d'autrui. Les insultes, menaces et messages haineux à l'égard des familles n'ont pas lieu d'être. Merci. La famille Bambara va devoir faire preuve de courage pour passer au-dessus des messages de jugement de certains, qui ne vont pas tarder à affluer. Rofrane Bambara, la médecin m'a confirmé que mon fils souffre d'autisme. Il faut dire que dans l'émission de ce mercredi 1er décembre, Rofrane Bambara n'a pas été épargnée par la vie. Son fils, Kheireddine, était suivi depuis de longues semaines par plusieurs médecins à la suite d'une suspicion d'autisme. Et le résultat du service de pédiatrie de son hôpital local a été sans appel. Bouleversée, cette maman de famille nombreuse s'est confiée face caméra, le rendez-vous que j'ai avec la psychomotricienne CIST un échange autour de Kheireddine. CIST un enchaînement de questions, donc je réponds du mieux que je peux. Elle me le confirme et me dit, Madame Bambara, oui il y a des particularités qui, mises bout à bout, s'inscrivent dans un spectre assez vaste d'autisme, de spectre autistique, a-t-elle déclaré avant de fondre en larmes. Un moment de vie compliqué. Loading widget.